retrouve pour une nouvelle vidéo. Direction Belmont-sur-Ange. Direction Belmont, après un réveil incertain. Oh, un... Il est fatigué, Nounou. Eh ben on va, voilà, direction Belmont, il y a toute la team avec nous là, il y a Benjamin, Benjamin LRT, donc avec sa Derbit en 86 Most, il y a Johan avec son 100 Fast, on va faire un peu de route, là on part à peine du garage, donc on part de Mandelieu, on a à peu près je pense 4h, 4h30 de route, et puis on va s'arrêter au milieu pour manger un petit coup, et puis voilà. Vous inquiétez pas, je vous filme dès qu'on avance un petit peu. Allez, c'est parti. On a combien d'heures de route, Alex? On a fait 4 heures sur 800 mètres. On s'est tapé 45 accidents, 250 bouchons. On est fatigué. Horrible, gros. Heureusement qu'il y a la clim toute neuve dans le camion parce qu'il y a 40 degrés dehors. Là, on va passer récupérer les clés à l'hôtel et ensuite direction la piste. Ah, le feu est... Ici, il y a un petit feu. Non, pas du tout. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Ouais, bon, on arrive bientôt. Il nous reste 20 minutes de route. Et puis, quand on. Là, on va aller voilà, juste récupérer à l'hôtel les clés. Et après, on va directement sur la piste. Donc, je pense que je vais commencer à vous faire les premières images quand on sera là-bas. Nous sommes fin arrivés à Belmont. Du fuseau volant de cette magnifique petite bécane électrique. Regardez, donc ça, c'est pas la piste là sur laquelle je suis. C'est là où il va avoir le rasso. Et la piste, excusez-moi, il y a pas mal de vent. Et la piste, elle est juste de l'autre côté. Bon, comme tu l'as vu, on est bien arrivé à Belmont. Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, nous sommes vendredi soir. Les premiers runs commencent demain matin. Donc, on va aller manger, on va aller se coucher, faire une bonne nuit de sommeil. Et puis, on se retrouve demain matin directement. Mes petits potes, on vient de se réveiller. La vue est plutôt agréable. Première journée de course. On se reprend quand on est là-bas. Là, pour ceux qui ne savent pas, on est au contrôle technique. Donc là, avec le drag 100 de chez LRT. Et bah, on va justement passer le contrôle technique pour savoir si ta machine elle est vraiment réglementaire de A à Z. Il faut que voilà, ta machine soit saine, la plus saine possible. Après avoir démonté la transmission 55 fois, pour trouver un setup efficace, on a oublié de freiner la vis de transmission. Allez, Benjamin, premier run. Alexandre WRP, pilote du drag sans roost de LRT préparation. On va voir ce que ça va donner. Donc il y a vraiment tout le monde. Il y a vraiment vraiment du monde et encore on est qu'au début de la journée, on est dans la matinée. Ça va être vraiment sympa. Bon, là c'était le premier tir de la journée. Donc c'est pas trop mal, par contre les réglages en altitude c'est pas du tout les mêmes. Donc il faut faire de la carte, de la variation. On a bossé là parce qu'on a à peu près 45 minutes devant nous, le temps que l'ordre de passage repasse à notre tour. Et on va retirer, c'est reparti. Allez go. À l'attaque. Allez, Benjamin l'apprenti. Bon les gars, aujourd'hui on va présenter la Derby Dueling Contest. Donc c'est une Derby Senda Extreme de 2016 exactement. Alors elle est équipée d'un 86 Most, prépa, métrologie, moteur fait par LRT préparation. Donc c'était un 86 Most avec M6 avec la cale d'en base faite par WRP Racing. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est un moteur derby. C'est pas un GPR, hein, c'est un derby normal. C'est un derby classique. Derby classique, juste avec le cylindre AM6 parce qu'en fait il y a des différences, si tu veux, de puissance entre l'AM6 et le derby. Et l'AM6 est légèrement plus performant que le derby. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à mettre sur une base de moteur derby un haut moteur AM6. Voilà, et qu'est-ce que tu fais avec cette petite moto alors, mon petit bébé? Cette moto, elle est dédiée au Wheeling Contest en 88 exactement, justement SDR, c'est une nouvelle catégorie. Et donc voilà, et
Bon bah cet après on va essayer de tout casser. Ouais. Et oui parce qu'en plus là Bébé n'est pas encore passé. C'est-à-dire qu'il y a toutes les catégories qui se sont faites et Bébé il n'est pas encore passé. C'est le Wheeling Contest, c'est la dernière catégorie. Deuxième journée, je suis désolé, hier je vous ai pas trop filmé la fin de la journée de run parce que on a pas mal galéré. On a potentiellement une panne qu'on n'arrive pas à régler qui fait qu'on est sixième sur le classement et puis on a essayé pas mal de choses. Bon bah pour l'instant c'est comme ça, ça vient pas, donc on va essayer aujourd'hui, donc deuxième journée, nous sommes dimanche, d'essayer de trouver la panne dimanche matin et là il est 9h30, on arrive dans 5 minutes à la piste et puis voilà, on va essayer de trouver une solution. Tonton, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui? Bah après c'est bien reposé, l'esprit un peu plus clair. On est sur des bonnes pistes pour pouvoir résoudre le problème. Bon, pour faire court, on a un moteur très très puissant avec beaucoup de chevaux qui sortent en queue de vilebrequin, mais on a du patinage quelque part dans la variation et ça ne transmet pas correctement à la roue arrière. Voilà, pour faire gros, c'est ça le problème. Donc bêtement, on essaye les pièces les unes derrière les autres. Là on va repartir à zéro et puis on va bosser là-dessus. C'est très serré dans cette catégorie, on est en panne mais il n'y a pas un monde non plus par rapport aux autres malgré qu'il y ait une grosse concurrence devant. Donc on va bosser ce matin là pendant les deux premières heures de roulage et puis on va aller valider ça sur la piste d'essai libre et on avance comme ça. Voilà. Alors là, je suis désolé, je vais te décevoir, mais malheureusement, en fait, tu n'auras pas la suite de cette journée-là pour la simple et bonne raison qu'en fait, tous les runs ont été entièrement annulés, donc toutes catégories confondues aujourd'hui. De ce fait, avec Alex, on a eu le temps, si tu veux, de trouver la panne parce que de base, en fait, en début de matinée, on n'était pas fixé, si tu veux, sur le sort de la journée. Donc en fait, on était parti dans un état d'esprit où on allait encore potentiellement pouvoir piloter. Donc en fait, on a fait tout pour chercher la panne et il se trouve que c'était un clapet de la boîte à clapet qui était cassé. Mais cassé, quand je te dis cassé, c'est cassé vraiment. Donc le truc, il était en panne de fou. On change la boîte à clapet, mais de toute manière, rien n'y fait. On reste sixième du classement, donc c'est-à-dire le score d'hier soit samedi soir, tout simplement parce que on n'a pas pu courir. Là, c'est le score qu'on a fait avec le clapet cassé. Malgré tout, on était quand même curieux de savoir comment le drag se portait en ayant changé la boîte à clapet. Donc si tu veux, à la fin de la journée de run, il y a eu la remise des prix, etc., la tombola et machin. Et nous, on voulait pas rester dessus, si tu veux. Donc on est allé, donc c'est vraiment en dehors complètement de la compétition. On est allé sur une route, tu vas voir paumé, c'est les images que tu vas voir juste après. Et puis on est allé tester justement le drag, donc il y a Diablo qui l'a testé, donc Diablo Rider, Enzo, et il y a aussi Alexandre WRP Racing qui est le pilote officiel de Alexis. Qu'est-ce qu'on a prévu les filles là? Petite vidéo YouTube. On va encore faire des dingueries. Petite fonte 6. On va encore faire des cochonneries. Petit fond 6. Bon les petits potes. 3 caisses de bagnoles de fond plus 2 motards derrière. On est en plein milieu de la route quoi. Mais bon, il y a pas grand monde quoi. Mais il y a que là où on fait des bons trucs. Ouais, donc ça devrait le faire. Bon, allez. Ah, et qu'est-ce qu'il y a Benjamin? Attends, lève pas. Je vais te montrer ce que c'est un mec stock. Hein. Allez, on dit. Un mec ski. Comme les hommes. Le sanglier. Tu quoi? Tu es une bêta? Je te l'apprends 30 euros le sang. Allez, c'est compliqué. Là, il va avoir Johan qui va sortir sa bêta. Derby. Oui, Johan qui sort sa derby en sans fast, Benjamin qui va sortir sa mère, je pense qu'il va pas résister, cochonne va. Et après il y a Enzo et Alex qui vont un petit peu piloter le drag d'Alexis en sans roost. Bon sinon, à part ça, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles non plus, malgré tout on a passé un moment de fou, mais genre vraiment de fou, vraiment en termes de relationnel, rien que d'apport de connaissances et tout, de rencontres, génial, franchement un week-end de dingue. Il y a Beben aussi qui finit premier du Wheeling Contest en 88 cm3 et il y a Johan qui finit troisième de la catégorie 100 cm3 Wheeling Contest avec son sans fast. Donc c'est super, on a sauvé les meubles, c'est le top, mais c'est dommage pour le drag, mais bon, on remettra ça une prochaine fois. Vous savez tout, tout ce qui s'est passé sur cet événement. Ici, juste devant moi, j'ai un nouveau Zip que j'ai acheté, il manque que le moteur, c'est un moteur qui est vraiment très très particulier. Là pour l'instant les carters sont en usinage, je t'en dis pas plus,
Tu verras ça bientôt, j'espère la semaine prochaine. Normalement, à l'heure où je te tourne cette vidéo-là, on est samedi matin et je vais récupérer les carters tout à l'heure. Donc peut-être que j'aurai le temps de monter le moteur, etc., de faire la métrologie, machin, préparation, montage du moteur sur le châssis, parce que le châssis est entièrement prêt, il n'y a plus qu'à recevoir si tu veux le moteur. Et peut-être que j'aurai le temps de tourner une vidéo pour la semaine prochaine. Je te garantis rien, j'essaie de faire mon mieux. Je sais que vous me demandez beaucoup là en ce moment sur Instagram pourquoi je fais pas de vidéo, pourquoi je suis absent, etc. J'ai plein de trucs à faire les petits potes. Allez les filles, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Je vous dis ciao bye.